Comment tu t'appelles, toi? Hein? Bon, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est du chêne. 54 mm. Salut. Je vous présente, je sais pas comment il s'appelle. On est juste derrière l'atelier. L'atelier est derrière le volcan, là. Et je suis invité aujourd'hui à refabriquer ce portail. Parce que l'existant, voilà, est complètement pourri, il doit avoir une trentaine ou une quarantaine d'années. Vous voyez comment ça part en miettes, et donc on va refaire le portail. Allez, dégauchissage. Dans la commande que j'ai passée l'autre jour pour ce portail, j'étais un peu juste déjà au niveau des plateaux et puis ensuite il y avait des défauts à purger. C'est pas la qualité ébénisterie, c'est la qualité menuiserie, donc il y a des défauts et ben voilà, faut faire avec. Une armoire. Mais il faut coller d'autres morceaux, tu vas chercher dans les chutes. Les sièges pour les 1 cm. Ah ouais, et tu sais ce que c'est ça? C'est un morceau de la caravane. Et ouais. Mm-hmm. Voilà. Je sais pas, marche pas là-dessus. Voilà mes deux portails, il manque un montant, une petite traverse, les petites balustres et les deux traverses supérieures. Avec ça, je vais pouvoir finir et il y aura même du rab.
Bon, vous connaissez la suite. Je vous emmène pour quelques secondes de dégauchissage et rabotage. Elle ne coupe plus trop ma fraise, je l'aurai au ponçage. Encore des petits trous. Thank you.
Et bien voilà, ça y est, je ne vous ai pas filmé l'assemblage du deuxième portail pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'est pas encore assemblé. Et la deuxième raison, c'est que c'est exactement pareil que celui-là. On se retrouvera plus tard pour la pose, les finitions et tout ça. Et puis, je voulais faire un petit point sur les différents aspects techniques qui m'ont amené à le faire de cette façon. Les petits dominos en cipo, c'est pas du domino en hêtre, mais c'est du domino en cipo, associé à la colle polyuréthane, voilà, ça va assurer déjà une étanchéité au niveau de la colle et une résistance à la pourriture pour ce qui est du cipo. Les petits dominos, ils sont pas très profonds, ils font 30 mm dans chacune, ça sert simplement à maintenir les éléments en place, parce que au bout du compte, la ferrure qui va tenir le portail sur les gonds du mur, elle est relativement importante et elle fait un cercle quasiment complet autour du portail. Donc l'ensemble des deux montants et des deux traverses supérieures inférieures vont être maintenus comme un cerclage complet. Et c'est ça qui va tenir le portail bien en place. Ça sera boulonné à travers, donc ça ne va vraiment pas bouger. Donc la colle polyuréthane, elle a bien gonflé. Il faut maintenant araser ce qu'a débordé avant que ça soit vraiment trop sec, parce que ça va devenir très très dur. Mais là, c'est le moment de l'attraper. Il y aura aussi un ponçage complet sur tout le portail, déjà effacer les traits qui sont pas bien jolis. J'ai fait des quarts de rond sur les petites balustres et les deux traverses qui les maintiennent. Je vais aussi faire du quart de rond partout ailleurs sur le portail, mais ça sera facile ici parce qu'il n'y a pas le problème de dégagement à aller dans les coins. Ça va permettre à la flotte de s'écouler un peu plus facilement depuis le dessus là où ça pourrait stagner un petit peu. On n'a pas encore tout à fait décidé avec mon client si on met du rubio, de l'huile de lin, de la peinture ou un vernis ou une lasure. C'est encore en suspens. Ils vont venir voir les portails dans l'atelier et décider après. On va se retrouver dans quelques jours pour la pose de ces deux vantaux. Le temps pour mon client de décaper les ferrures et pour moi de venir l'installer. En attendant, il y aura d'autres films avec il y a un bureau avec un dessus en cuir. Il y aura quoi d'autre, je ne sais plus, mais il y a du boulot en attendant. J'ai du boulot par-dessus la tête et il y a plein de choses à venir sur la chaîne. Allez, à ciao, bonsoir.